Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cet atelier consacré à la politique littorale. Je passe tout de suite la parole à Morgane Priol, hein, qui se trouve à Nantes avec toute l'équipe d'experts sur le littoral. Morgane, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va effectivement commencer ce quatrième atelier. Voilà, il fait suite à trois premiers qui ont eu lieu hier et une séance de présentation générale qui était au tout début de la semaine lundi matin, avec un sujet aujourd'hui sur le littoral. Agissons pour protéger le littoral. Il est effectivement fragile et particulièrement dans le cas du changement climatique, on voit qu'il est soumis à un certain nombre de pressions. Donc, le programme de l'atelier est le suivant. On va faire une petite introduction à deux voix, Régis Le Quillec et moi-même. Et puis, on passera ensuite à plusieurs illustrations et retours d'expérience. D'abord, sur le territoire de Cap-Atlantique. Donc, c'est l'intercommunalité autour de la Baule dans la Loire-Atlantique sur l'amélioration de la qualité microbiologique des eaux. Puis avec Maud Danet, pardon. Et puis un deuxième focus sur des travaux expérimentaux de restauration de vasières par le retrait de gisements d'huîtres sauvages qui se développaient sur d'anciens supports conchylicoles dans le cadre de la dans le contexte de la baie de l'Aiguillon, qui est une réserve naturelle nationale dont le conservateur pardon Jean-Pierre Guéret dans le département de la Charente-Maritime nous parlera. Et puis le troisième retour d'expérience, ce sera sur l'accord de programmation du port de Brest, donc dans le Finistère, par le responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement du port, en l'occurrence Nicolas Gével. Et puis on aura ensuite un temps de questions-réponses. Donc vous avez vu dans le chat que vous pouvez utiliser le module dédié pour formuler dès à présent vos questions et on essaiera d'y répondre en fin de webinaire. Voilà, peut-être pour commencer quand même un petit sondage pour mieux vous connaître. Et donc là, vous allez voir, il y a deux questions, une qui concerne votre structure et l'autre qui concerne voilà, votre région. Donc tout ça pour voir qui est aujourd'hui présent avec nous. J'ai vu que vous êtes à peu près 80. Merci. Donc on voit le résultat. Effectivement, vous êtes un certain nombre des établissements publics de l'État, des collectivités également assez représentées. Et puis on voit ensuite un petit peu des différentes catégories, associations, bureaux d'études, industrie, agriculture et services de l'État. Merci à vous. Et puis donc on attaque. Donc avec une présentation un peu retour sur le contexte et là d'où on parle. En quelque sorte. Donc, comme vous êtes un peu varié dans le public, c'était l'occasion de rappeler que le bassin versant Loire-Bretagne, dans lequel on intervient, est un bassin hydrographique qui représente finalement un quart hein, du territoire métropolitain, puisqu'il va depuis les sources de la Loire au Mont-Gerbier-Dijon jusqu'à la pointe du Finistère. Il représente aussi 2 600 km de côte. Donc là, c'est une part importante hein, du littoral français sur à la fois la côte atlantique et puis la Manche sur le nord du bassin versant. Avec une gouvernance dédiée, à la fois le comité de bassin qui est le Parlement de l'eau, donc quasiment 190 membres hein, issus de différentes catégories avec différentes origines sur le bassin géographique et différentes catégories à la fois usagers, professionnels ou associatifs, originaires des services de l'État, et puis collectivités, bien sûr. Et issu de ce comité de bassin, un conseil d'administration de l'Agence de l'eau qui, lui, est plus resserré sous la présidence de la préfète coordinatrice de bassin et qui va apporter des avis au niveau du pilotage de l'agence. Bien sûr, on suit un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Celui de 2016-2021 est maintenant achevé. On a validé en comité de bassin le 3 mars, celui qui concerne la nouvelle période 2022-2027. Donc, ce SDAGE fixe les orientations pour la gestion équilibrée de la ressource, d'une part, de la ressource en eau, et d'autre part, fixe des objectifs en matière de bon état des eaux, puisque vous savez que le bon état des eaux est décrit par la directive cadre européenne sur l'eau. Et dans le cas présent, pour les eaux littorales, on a aussi des descripteurs qui proviennent de la directive cadre stratégique milieu marin, qui peuvent être également utilisées, étant entendu ici que l'Agence de l'eau intervient
pour ce qui est dans la mise en œuvre des actions sur les eaux littorales jusqu'au premier mille marin, donc à peu près 1,8 km, hein, au-delà des côtes, et qu'on a bien différents types de masses d'eau concernées, à la fois les eaux continentales, les eaux de transition et les eaux littorales. Au-delà du SDAGE, on a quelques documents qui me semblent importants si vous présenter dans ce cadre. C'est le plan d'adaptation au changement climatique du bassin Loire-Bretagne qui a été adopté en 2018 et qui vise à travailler tout en rappelant qu'il est nécessaire d'avoir une atténuation hein, et travailler sur l'atténuation, d'avoir un certain nombre de mesures pour s'adapter et qu'on en a déjà. Il suffit maintenant de les mettre en œuvre de manière dynamique et forte. Et puis, le document stratégique de façade, alors on en a plusieurs sur la façade, hein, mais essentiellement on est concerné par Nord-Atlantique, Manche-Ouest, qui est aussi un guide pour nos activités. Le 11e programme d'intervention est l'outil et le levier financier hein, de l'agence pour mettre en œuvre cette politique de gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle du bassin, qui est prévue par le SDAGE. Et donc, il définit à la fois des montants de recettes avec les redevances et puis des montants de dépenses. Donc, ce 11e programme a été adopté le 4 octobre 2018. Il vaut pour 6 ans. Il vient d'être révisé sur la période 2022-2024. C'est aussi l'objet de ces webinaires que je vous présentais, ces évolutions. Alors, quand même un rappel, deux orientations principales. L'atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE, qui est la priorité de l'intervention. La solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés. Et puis, la volonté d'avoir un programme qui soit incitatif, sélectif, et territorialisé, on y reviendra à l'occasion de ce webinaire. Le littoral et le milieu marin constituent un des trois enjeux transversaux de ce 11e programme avec le changement climatique et la lutte contre les micropolluants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des actions qui lui sont dédiées exclusivement, mais on va piocher un certain nombre des actions du programme d'action pour intervenir sur le littoral et le milieu marin. C'est donc une politique qui est spécifique, mais transversale également, et elle mobilise l'ensemble des aides de l'agence. Voilà, avoir en tête que le montant global du programme d'intervention est à peu près de 330 millions d'euros par an. Alors, le programme littoral, enfin, en tout cas, le programme au bénéfice des enjeux littoraux, 6 enjeux bien connus maintenant et régulièrement abordés. La restauration de la qualité microbiologique des eaux estuariennes et côtières, donc vis-à-vis d'enjeux qui sont et d'usages qui sont sensibles, baignade, pêche à pied de loisirs et pêche à pied professionnelle, conchyliculture, avec là des enjeux bactériaux et virologiques. La lutte contre l'eutrophisation des eaux littorales et marines, donc tout ce qui va être autour des enrichissements excessifs hein, du milieu qui vont entraîner des développements importants, voire excessifs d'espèces et déséquilibrer les milieux. On pense aux algues, mais aussi aux blooms phytoplanctoniques. Troisième enjeu, la diminution des macropolluants et des substances dangereuses issues des activités côtières, en particulier la lutte contre la pollution des eaux et des sédiments dans les ports. Donc là, un certain nombre de substances inconnues autour des métaux, des dérivés d'hydrocarbures, du phosphore, etc. Quatrième enjeu, la restauration de la morphologie des masses d'eau côtières. Donc là, on pense à tout ce qui est marais arrière littoraux, mais aussi continuité, différentes continuités. La gestion équilibrée de la ressource en eau, cinquième enjeu. Et puis le sixième, l'amélioration de la connaissance, l'animation territoriale et la sensibilisation, enjeu plus transverse aux cinq premiers. On voit apparaître de plus en plus fortement des enjeux complémentaires, donc on les a déjà cités, hein, la biodiversité marine et côtière, le changement climatique, et on pourrait vraisemblablement en citer d'autres. Alors, si on regarde comment se traduit ce programme en termes financiers, on voit qu'il est effectivement au plus proche des territoires. Sur cette carte, vous voyez des petits camemberts qui représentent en fait les différents enjeux et leur poids financier dans les différents territoires littoraux. Donc, près de 430 dossiers de subventions par an, près de 30 millions d'euros d'aide par an également. Donc, vous voyez par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est 10% du budget annuel de l'agence à peu près, qui est consacré au littoral et au milieu marin. Près de 65 millions d'euros d'actions qui sont aidées, si on regarde l'ensemble des investissements, avec une prédominance quand même des aides plutôt sur ce qu'on appelle le petit cycle, donc ce qui va concerner l'assainissement et eau usée au
pluvial un petit peu. Voilà, et ça, c'est les montants hors aide agricole directe. On le précise ici, puisque sur certains enjeux, c'est important aussi les montants qui peuvent être alloués dans les aides directes agricoles, y compris par l'agence, pour ces territoires-là. Voilà, donc, je ne vais pas détailler les camemberts, hein, mais sachez qu'on a des situations différentes selon les territoires, qui sont différentes aussi dans le temps et qui, quand on voit par exemple un retrait orange, là, c'est qu'il y a eu un financement d'une station d'épuration et donc ça vient fausser un petit peu les données si on prenait sur un temps plus long. Mais ça, c'est ce qui résulte des trois premières années du programme d'intervention 2019-2021 avec des montants d'aide conséquents. Voilà, on est bien sur un programme qui est au bénéfice du collectif de littoral. Donc, l'idée, c'est de favoriser une approche territoriale pour planifier d'une part et mettre en œuvre ensuite les actions de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Donc, on accompagne à la fois la planification au travers des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les SAGE, qui déclinent eux-mêmes le SDAGE, et d'autre part, la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie territoire à travers deux outils, les contrats territoriaux qui sont des programmes d'action de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et qui s'appliquent plutôt à l'échelle de bassins versants et qui quasiment couvrent l'intégralité hein, du territoire aujourd'hui, en tout cas de manière assez forte. Et les accords de programmation qui sont eux plutôt à l'échelle des intercommunalités, donc à une échelle qui n'est pas une échelle hydrographique, mais qui correspond plutôt à la compétence, au niveau de compétence et d'application de la compétence assainissement au pluvial, voire au potable, et qui finalement est peut-être moins systématique, puisque ces accords de programmation sont plutôt des outils qu'on réserve à des territoires sur lesquels il y a énormément d'enjeux et où on a besoin de se doter à la fois la collectivité et l'agence d'une vision pluriannuelle en lien avec le programme pluriannuel d'investissement de la collectivité sur les pollutions domestiques et les micropolluants. Voilà, ça va viser les économies d'eau aussi, la gestion des eaux pluviales. Donc, on en a, là, on couvre beaucoup moins, mais c'est plus sélectif comme outil. Peut-être préciser aussi à ce niveau-là que les contrats territoriaux peuvent être co-financés par un certain nombre de nos autres partenaires, je pense aux grosses collectivités comme les régions ou les départements, qui sont dans certains territoires partenaires de ces contrats territoriaux. Alors, une déclinaison avec un des premiers enjeux, je vous citais les six enjeux de la politique littorale de l'agence. Donc, je vais en citer un sur lequel l'approche territoriale s'applique particulièrement avec les contrats territoriaux. C'est l'eutrophisation, où on a aujourd'hui le développement de contrats de baies, en particulier sur les baies à algues vertes de la Bretagne. Vous savez qu'elles sont visées par un plan ministériel particulier dans lequel l'agence est partie prenante. Donc, on voit que le contrat territorial de baies, dans ce cas-là, s'inscrit dans un collectif d'outils, à la fois des outils réglementaires, c'est les zones soumises à contraintes environnementales, les ZSCE, qui sont un outil réglementaire porté par l'État qui vient en complément sur ces territoires. Des outils plus spécifiques d'accompagnement ou de chantier qui concernent vraiment les baies algues vertes, des dispositifs de droit commun du type tout ce qui est relié à la politique agricole commune, donc des aides à l'investissement, ce que traduit l'acronyme PCAE, ou aux pratiques agricoles, ce que traduit l'autre acronyme mesures agro-environnementales et climatiques, pour ceux qui sont moins familiers de ces acronymes. Et donc, on a bien un contrat B qui va être complémentaire de ces outils et les mobiliser à escient avec différents éléments qui s'imbriquent. L'objectif étant de réduire les fuites de nitrates pour améliorer la résilience des bassins versants et donc de poursuivre une transition agroécologique de l'ensemble des systèmes, en particulier des systèmes agricoles contributeurs, on le sait, de ce phénomène. Donc, six volets d'action dans ces contrats, un volet agricole qui va, lui, aller chercher des leviers autour de l'agronomie, des basses fuites d'azote, des systèmes à basse fuite d'azote, des chantiers collectifs, des valorisations de l'azote organique, un volet qui va aussi aller chercher tout un tas d'outils autour de la transition des systèmes d'exploitation agricole avec des mesures agro-environnementales, des paiements pour services environnementaux, la diversification des filières avec la recherche de développement de filières à bas intrants, hein, je pense au sarrasin par exemple, mais on pourrait penser aussi à d'autres, sylphies, miscanthus, etc.
chanvre. Voilà, un volet aussi qui va aller chercher des outils autour de du foncier et de la transmission des exploitations agricoles. Donc ça, c'est tout le volet agricole. On a un deuxième volet qui va concerner les milieux. On ira chercher cette fois des aides de la connaissance autour des espaces stratégiques et de la restauration de ces espaces stratégiques avec de la restauration hydromorphologique, mais également de la restauration des continuités. Un volet connaissance qui va permettre de mieux connaître les milieux et les impacts qui s'y font jour. Et puis, un volet curatif sur lequel là, je ne vais pas m'attarder puisque ça concerne vraiment très spécifiquement ces territoires-là autour du ramassage, avec différentes formes de ramassage. Et enfin, un volet coordination qui, lui, est d'ailleurs plus général, présent dans tous les contrats puisqu'il vise à mettre en mouvement l'ensemble des acteurs, à coordonner les différents maîtres d'ouvrage et à faciliter cette mise en œuvre d'action de manière coordonnée et collective. Donc voilà, c'est un exemple, hein, le contrat de territoire est utilisé pour d'autres sujets, mais je trouvais qu'il illustrait bien ici l'eutrophisation. Et puis, je vais passer la parole à Régis Leclec sur la suite des enjeux et la façon dont on les traite. Alors, bonjour à tous. Donc, dans la continuité de la présentation de Morgane, j'aborde là le sujet de la restauration de la qualité microbiologique des eaux estuariennes et côtières, qui est donc un enjeu important au titre du programme, puisqu'il mobilise près de 2/3 de nos aides. Donc, c'est un enjeu important sur le plan financier pour l'agence. Puis, c'est un enjeu important aussi pour le littoral Loire-Bretagne, qui est confronté ou qui est concerné, disons plutôt, par différents sites de baignade, des sites de pêche à pied et des zones conchylicoles. Alors, sur cette diapositive, vous avez l'illustration des différentes sources de contamination microbiologique des eaux estuariennes et côtières, qui peuvent être des sources locales ou des sources qu'on va chercher un peu plus loin dans le bassin versant, chaque bassin hydrographique présentant ses propres caractéristiques. À ce titre-là, l'agence finance et assure la promotion en lien avec ses partenaires d'élaboration de profils, alors des profils de baignade au titre des enjeux de baignade ou des profils conchylicoles ou associés à des sites de pêche à pied et de loisirs, ou de pêche à pied professionnelle aussi d'ailleurs, qui concernent en fait des diagnostics de territoire, là aussi, qui visent à identifier, hiérarchiser les principales sources de contamination associées à cette dégradation microbiologique des eaux et puis construire des plans d'action au bénéfice de la reconquête de cette qualité. Alors, on finance les profils. Surtout pour les profils de baignade, on ne finance en fait que les profils associés aux sites dégradés. Par contre, on finance l'ensemble des profils conchylicoles qui font l'objet d'une disposition spécifique dans le SDAJ, qui est la disposition 10D, à des taux de 50%. Au-delà du profil, on finance aussi donc les plans d'action et au sein de ces plans d'action, on retrouve énormément d'actions associées à l'assainissement, notamment assainissement collectif ou assainissement non collectif. Alors, on voulait juste faire un petit zoom sur une spécificité de nos financements sur cette question-là. Vous voyez sur cette diapositive l'ensemble des sites de baignade, des sites de pêche à pied et des points de suivi REMI. Alors REMI, c'est le réseau microbiologie, c'est le réseau de suivi de la qualité des zones conchylicoles portées par l'IFREMER. Donc vous voyez que le nombre de sites est relativement important. Et pour illustrer un peu la stratégie de sélectivité qui a prévalu dans l'élaboration du 11e programme et aussi dans le programme révisé, on a fait valider auprès de nos administrateurs un principe de définition de critères de sélectivité au parcours du 11e programme. On a défini une liste de systèmes d'assainissement prioritaires. Donc des systèmes qui sont localisés en blanc le long de la frange littorale et associés à ces cibles prioritaires. Alors, la spécificité de cette liste de systèmes d'assainissement prioritaire, c'est qu'on peut être amené à bonifier des aides, donc passer de taux de base à 30% à des taux prioritaires à 50% pour la mise en œuvre d'actions sur ces systèmes d'assainissement prioritaire au bénéfice de la reconquête de la qualité des cibles. À partir du moment où l'action est bien identifiée dans un des profils que j'ai cités, profil de baignade ou profil de vulnérabilité. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment incitatif avec un taux bonifié au bénéfice de la reconquête des cibles les plus dégradées. Pour montrer que quand même ça fonctionne, vous avez là une illustration sur les 10 dernières années de l'évolution
de la qualité des sites de baignade du littoral Loire-Bretagne. Vous savez sans doute que les sites de baignade font l'objet d'un classement sanitaire excellent, bon, suffisant et insuffisant. Vous avez en jaune l'évolution sur 10 ans du nombre par département de sites de baignade de qualité suffisant, et en rouge le nombre de sites de baignade de qualité insuffisant, et ça par département. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout ce travail de sélectivité et de suivi, on le fait avec des partenaires, et je pense en particulier aux agences régionales de santé qui assurent le suivi de ces sites de baignade, et l'IFREMER, avec qui on a un partenariat spécifique et qui nous transmet l'ensemble des données de suivi des zones conchylicoles. Donc voilà. Je n'ai fait que 3 diapos sur la bactérie et sur l'enjeu sanitaire. Après, sur l'enjeu portuaire, qui sera là aussi illustré tout à l'heure dans une intervention sur Brest. Un petit rappel. Rappelez quand même que les zones portuaires ont ce site particulier, c'est que c'est un site effectivement d'accueil de bateaux, mais c'est aussi un site privilégié de dépôt et de concentration de pollution, liée soit aux activités propres du port dans l'enceinte portuaire ou sur le domaine portuaire. Vous avez là quelques illustrations de contamination qu'on peut rencontrer liées à l'activité même du port. Alors quand je parle de port là, c'est port de plaisance, mais ça peut être aussi des ports de commerce ou des ports de pêche. Et puis on a aussi toute la pollution qui est drainée par le bassin versant associé à la zone portuaire. Vous savez que souvent les ports sont, j'allais dire, enclavés dans une zone urbaine et subissent aussi la contamination, notamment via les différents réseaux, notamment le réseau d'eau pluviale, les contaminations issues de ces zones. Donc, ces contaminations sont d'origine diverse et de nature diverse. Alors là aussi, l'agence finance le principe de diagnostic portuaire, de façon assez incitative. L'objectif de ces diagnostics portuaires, c'est de caractériser la contamination et les pollutions associées à ces zones portuaires et aux bassins versants associés dans une approche globale. L'idée, c'est de rassembler lors de ce diagnostic l'ensemble des partenaires susceptibles de porter des actions au bénéfice de la reconquête. Donc, faire un état des lieux de la pollution, faire un état des lieux de l'origine des contaminations et puis de construire un programme d'action, des actions susceptibles d'être menées sur le temps long, parce que on ne faut pas se leurrer, on règle pas des problèmes de qualité des zones portuaires comme ça du jour au lendemain. Donc d'essayer de construire un programme d'action sur le temps long, dont je vous ai listé là quelques-unes des actions, alors de nature différente, les diagnostics de réseau, parce que souvent le diagnostic montre qu'on manque de connaissances, donc ça peut être de la connaissance sur les réseaux, leur diagnostic, la caractérisation des rejets. Ça peut être classiquement, parce que c'est souvent le sujet qui revient, la problématique de l'aire de carénage, mais on a d'autres problématiques associées, notamment sur les eaux de ruissellement des quais. Et puis, un point que j'ai oublié, c'est pas que des problèmes de contamination, c'est aussi potentiellement des problèmes de consommation d'eau, puisque les zones portuaires sont aussi des lieux privilégiés potentiellement de forte consommation d'eau, et peut y avoir des enjeux de réduction de la consommation d'eau et d'économie d'eau dans ces zones portuaires. Donc, le diagnostic et les programmes d'action associés sont potentiellement financés par l'agence à des taux relativement variables. On pourra répondre aux questions s'il y a des questions spécifiques sur ce point-là. Alors, autre petit zoom sur la biodiversité. Vous savez que, enfin, vous savez ou pas, d'ailleurs, que la question de la biodiversité, c'est un enjeu relativement récent au sein des agences de l'eau. C'est la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui, dans ses différentes dispositions, dans ses différents articles, a demandé, a élargi les missions des agences de l'eau au domaine de la biodiversité terrestre, marine, ainsi qu'au milieu marin. Alors, les agences de l'eau ont, je dirais, réagi relativement vite par une série d'appels à initiatives, et notamment un appel à initiative qu'on a été amené à porter au titre de l'agence de l'eau Loire-Bretagne en 2020 sur la biodiversité marine et côtière. Un appel à initiative qui a eu un certain succès. Moi, on a été un peu surpris. On a eu 55 initiatives qui nous ont été déposées. On en a retenu 26 pour un montant total d'aide de 2 millions d'euros et un taux de 70%. Donc, je voulais vous annoncer que on a une perspective de relance de cet appel à initiative fin 2022, début 2023. Donc, on vous encourage à commencer à réfléchir aux projets que vous pourriez être amené à nous déposer, sachant que le règlement de cet appel à initiative ressemblera beaucoup au règlement de 2020. On adoptera, je pense, une approche un peu près similaire en termes de sélectivité et de priorité. Et très clairement, parmi les cibles prioritaires
des projets qu'on souhaite voir émerger dans cet appel initiative, c'est des projets de restauration de milieux ou de fonctionnement de milieux estuariens, côtiers et marins, avec un focus, je dirais, particulier sur les questions d'interface et d'interface terre-mer et de pression associée notamment au milieu terrestre vis-à-vis du milieu marin susceptible de générer des dysfonctionnements. Je voulais aussi dire que dans ce règlement, on a intégré les leviers du plan d'adaptation au changement climatique qu'évoquait Morgane tout à l'heure. On a eu, dans les initiatives qui nous ont été proposées, beaucoup d'initiatives qui conciliaient à la fois les enjeux évidemment de biodiversité, puisque c'est l'objet de l'appel à initiative, mais des enjeux d'adaptation du trait de côte ou de la bande côtière, je dirais, au sens large, aux effets du changement climatique. Et donc, ces projets-là qui conciliaient les deux ont été particulièrement regardés de près. Alors, quelques illustrations de ces différents projets, alors ce n'est que quelques-unes, notamment des problématiques, par exemple, à gauche, sur porté par le conservatoire, sur cette question de l'interface terre-mer et du lien terre-mer et des connectivités entre les zones rétro-littorales et les zones estuariennes, là sur l'estuaire de la Loire. Tout à l'heure, on verra un focus sur la baie de l'Aiguillon, je reviens pas, Jean-Pierre Guéret nous expliquera ce qu'il a engagé sur la baie de l'Aiguillon. Des questions de marais rétro-littoraux et de restauration des fonctionnalités de ces marais, voire de restauration des connectivités. On est intervenu sur les mouillages écologiques, ce qui était une première en 2020, puisqu'on n'était jamais intervenu sur ces questions de mouillage écologique, et notamment susceptibles d'impacter les fonds marins. Et puis aussi quelques dossiers sur des espèces spécifiques aux espaces côtiers. Donc voilà, sur la biodiversité, j'en dis pas plus, mais tout à l'heure, on reviendra sur ce sujet. Et puis, un programme qui s'adapte et qui évolue. Alors, c'était vrai sur la biodiversité. Ben, c'est vrai aussi sur un sujet potentiellement nouveau qu'on voulait simplement rapidement aborder, qui est la problématique des déchets. Vous savez peut-être que le ministère de l'écologie porte un plan d'action qui s'appelle « Zéro déchet plastique en mer », qui comprend près d'une trentaine d'actions spécifiques sur cette problématique des déchets plastiques. Et les agences de l'eau sont attendues dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action, en cohérence d'ailleurs avec le document stratégique de façade, le DSF, qu'évoquait tout à l'heure Morgane. C'est les mêmes actions sur lesquelles nous sommes attendus, à savoir le financement d'actions d'expérimentation et de mise en œuvre de dispositifs de réduction des flux de pollution par les macro-déchets dans les réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, tant en termes de phase d'étude, de quantification, de définition des leviers et de mise en œuvre d'expérimentation. Alors, le cas classique, mais il n'y a pas que ça que je vous ai illustré là, c'est la mise en place de filets aux exutoires pluviaux. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Disons qu'il y a des configurations morphologiques qui font que des fois, on ne peut pas mettre en place le filet. Mais enfin, en tout cas, c'est un cas qui se met en œuvre. On a des expérimentations sur le bassin, mais surtout beaucoup hors bassin Loire-Bretagne qui commencent à se mettre en place, avec derrière des actions de sensibilisation pour sensibiliser la population aux effets des éventuelles incivilités qui peuvent se faire jour en matière de gestion de ces déchets. Alors voilà, on vous encourage là aussi à commencer à y réfléchir, sachant que ça pourrait déboucher encore plus tôt que l'appel à initiative sur la biodiversité côtière et marine, puisque si tout se présente bien, on pourrait lancer cet appel à initiative courant de l'été 2022, et puis une sélection des initiatives fin 2022 et un enclenchement de ces actions courant 2023. Je ne peux pas trop vous dire sur les montants et les taux pour l'instant, mais voilà, tout sera validé par le conseil d'administration du mois de juin. Voilà, donc on a été relativement rapide, on n'a pas pu aborder l'ensemble des enjeux dans le détail, ni les modalités financières. Je vous projette la répartition des territoires du bassin Loire-Bretagne et en particulier du littoral Loire-Bretagne entre les trois délégations, nos collègues de Saint-Brieuc pour les départements bretons, les collègues de Maine-Loire-Océan pour le département 44 et 85 depuis Nantes, et puis nos collègues de Poitiers pour le nord de la Charente-Maritime. Je ne peux que vous encourager à prendre contact avec ces trois délégations au téléphone ou par mail si vous avez des projets en lien avec les enjeux littoraux qui ont été cités là et qui seront bien à même d'expertiser votre dossier et de vous expliquer
peut-être voir si déjà il y a d'éventuelles questions. Les illustrations et retours d'expérience qui permettront d'illustrer les modalités qu'on a exposées. Merci Régis. Alors, peut-être, il y en a effectivement une de qui nous est posée, mais je ne sais pas si, si tu veux répondre peut-être maintenant. Les profils de baignade pour les nouveaux aussi de l'ARS. Alors. On peut aussi, ce qu'on peut faire, c'est peut-être, on se garde, parce que je vois qu'il y en a pour le moment qu'une, on se garde toutes les questions pour tout à l'heure. Donc, on dit qu'on a bien reçu celle-là et qu'on va y répondre peut-être à l'issue de la présentation, puisqu'on reviendra sur, peut-être on en parle après. Et du coup, on passe directement au retour d'expérience. Et puis, comme ça, on aura un temps de débat plus long avec notamment, et je les remercie donc tous les trois d'avoir bien voulu intervenir ce matin. Cap Atlantique. Situé entre Loire et Vilaine, le territoire de Cap Atlantique possède de nombreux atouts littoraux. Cours d'eau côtiers, marais salants, plages et océans. Face à une telle richesse patrimoniale, il est indispensable de préserver la qualité de l'eau pour les milieux aquatiques et les usages. La pêche à pied, la conchyliculture, la saliculture, la baignade. Depuis 2003, Cap Atlantique a investi plus de 151 millions d'euros pour la qualité de l'eau. Réseau d'eau, ouvrages d'assainissement collectif, préservation et valorisation des espaces naturels, enjeu majeur pour le territoire. Ces investissements sont soutenus par un partenaire privilégié, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Voici un retour en image des actions menées par Cap Atlantique de 2003 à 2020 en faveur de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Cap Atlantique lançait l'opération Timbalo pour inciter la population à boire l'eau du robinet. Cap Atlantique a investi dans l'assainissement sur son territoire et vient d'inaugurer deux nouvelles stations à Saint-Lifard et Camoël. Ici, tout est automatisé.
sur notre territoire, les eaux pluviales sont rejetées dans la nature sans épuration. Alors soyons vigilants. Adoptons les bons réflexes. Ne jetez rien. Ici commence la mer. Mardi 18 décembre, à Bas-sur-Mer, avait lieu le lancement du programme Life Salina. Un programme étalé sur 5 ans en faveur de la biodiversité des marais salants et salés de Guérande et du Metz, de l'île de Noirmoutier et du Marais Breton. Toutes les actions menées par Cap Atlantique regroupent de nombreuses thématiques, dont l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, qui fait aujourd'hui l'objet d'un accord de programmation nouvelle génération pour la période 2020-2022 entre Cap Atlantique et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Bonjour à tous. Oui, bonjour Maud. Merci de nous accorder un peu de ton temps. On a donc projeté cette vidéo sur Cap Atlantique et on avait potentiellement quelques questions. Alors, je regarde si dans le chat, il y a des questions sur cette vidéo. Pour l'instant, non. On voulait faire un petit point ou te faire réagir un petit peu sur cette vidéo et voir un peu avec toi, en quoi la réalisation de l'ensemble de ces travaux et de cette près d'une vingtaine d'années de collaboration entre l'agence et Cap Atlantique a contribué à préserver ou améliorer la qualité sanitaire et microbiologique des eaux de ton secteur et voir un peu ton analyse sur le sujet. Alors oui, je représente tout un territoire, mais en tout cas grâce à ces actions qui ont été présentées assez rapidement, on voit des avancées. Le fait qu'on ait des actions désormais coordonnées entre l'assainissement des eaux pluviales, des eaux usées, ça a permis d'inverser en fait des tendances à la dégradation, notamment microbiologique. Et puis, on arrive à mieux partager des connaissances pour mieux comprendre aussi des phénomènes, notamment sur notre littoral. On peut être spectateur de phénomènes qui peuvent inquiéter nos usagers, comme des eaux colorées rouges qui se développent. Et grâce à des partenariats avec notamment l'IFREMER ou d'autres scientifiques, on arrive mieux à comprendre et expliquer rapidement la situation. Donc, ce sont des avancées pour mieux partager les constats et aussi, à continuer à améliorer, sachant que les réglementations ont évolué et on est vers du toujours mieux. Après, ce qui marche aussi, c'est la définition d'un partage et d'une stratégie de territoire pour 2018-2022. C'est qu'une partie qui vous a été présentée et donc c'est un ensemble de 102 actions avec 15 millions d'euros qui ont été définies par plusieurs acteurs du territoire, pas que Cap Atlantique, pour préserver l'eau, la biodiversité, la qualité des milieux, et dont la moitié de ces 15 millions sont pour des enjeux microbio, assainissement, effectivement, avec ce nouveau challenge norovirus aussi, qui est pris en compte. Pour compléter les challenges, quand même, je dirais aussi qu'on doit aussi toujours évoluer, maintenant s'adapter au changement climatique qui est prégnant sur notre territoire, vis-à-vis de la ressource en eau, de sa disponibilité, mais on a des pluies beaucoup plus conséquentes à certains moments et donc un réaménagement, ce lien terre-mer qui va devenir fondamental pour nous, surtout pour
gérer une urbanisation, bien sûr, qui est importante. On vit aussi l'effet Covid, hein, une attractivité de notre territoire, comme beaucoup du littoral. Et par rapport à ça, un enjeu de préserver nos espaces de fonctionnement des cours d'eau, où cette urbanisation devient très pressante. Et puis pour finir, les notions peut-être clés que l'on retient un peu de ce travail d'une vingtaine d'années, c'est finalement en fait bien partager les données, les connaissances. Le plus gros de notre travail finalement, et que l'on fait avec vous, Agence de l'eau, sur le territoire, c'est de vulgariser ce qui se passe sur notre territoire, les données, le contexte, pour mieux se situer avec les acteurs locaux et puis décider des bonnes actions et les fédérer, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les acteurs des ports, mais aussi les habitants. Parce que parfois, enfin en tout cas sur le littoral, on a des actions avec des effets papillons, petite cause, grande conséquence. Donc voilà, et c'est finalement l'enjeu actuellement, d'écouter les questions, d'y répondre, mais surtout de situer tout à chacun sur le territoire. Voilà, un petit peu le résumé. Très bien. Bah, écoute, merci Maud. Tu as évoqué aussi les contrats et les accords avec une spécificité, je pense, sur Cap-Atlantique, qui est l'implication du monde de la mer et en particulier des conchyliculteurs dans la gouvernance de l'ensemble de ces outils. On le sent, nous, vos professionnels de la mer sont très impliqués auprès de vous sur ces sujets-là. Et ça se voit et ça se sent. Je vois pas de questions spécifiques sur cette présentation dans le chat pour l'instant. Merci Maud, en tout cas. De rien. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Merci. Alors, comment je fais? Donc, il y avait une deuxième illustration alors, qui concernait donc la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon, avec la présence donc de Jean-Pierre Guéret, conservateur de la réserve naturelle. On avait prévu, en fait, de vous projeter. Peut-être le temps que Régis trouve le film, on peut peut-être avoir juste une. Jean-Pierre Guéret, s'il veut bien mettre sa caméra, parce qu'on le remercie aussi d'être avec nous, et puis peut-être juste se présenter le temps qu'on lance la vidéo, et on reviendra sur les questions-réponses dans un deuxième temps. Oui, Jean-Pierre, présente-toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Régis pour l'invitation à la participation à cette journée. Donc Jean-Pierre Guéret, moi je suis conservateur de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon, il y a la LPO. C'est une réserve qui est située sur deux départements, hein, la Charente-Maritime et la Vendée, à l'estuaire de la Sèvre-Niortaise principalement. Et il y a en fait deux réserves naturelles, une côté Vendée et une côté Charente-Maritime. Et nous sommes en co-gestion du coup LPO et l'Office français de la biodiversité. Parfait. Donc, voilà, les principaux enjeux de la réserve, hein, c'est l'accueil des oiseaux d'eau, notamment migrateurs et hivernants. On est également une zone de nourrisserie pour l'ichtyofaune, voilà, importante. Alors, on va là. Pour l'instant, oui, Jean-Pierre, je vais lancer la vidéo, Jean-Pierre. Donc, c'est une vidéo qui dure pas très très longtemps, beaucoup moins longtemps que celle de Cap. C'est un reportage en fait qui était passé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine ou France 3, je ne sais pas comment, Charente-Maritime, il y a quelque temps. Ah, vous allez voir, les collègues sont masqués, donc vous reconnaîtrez la période de réalisation de cette vidéo qui avait été faite d'ailleurs lors d'un colloque sur la problématique des crasses à d'huîtres, dont tu pourras peut-être dire aussi un petit mot tout à l'heure, Jean-Pierre, suite à la présentation. Alors, je lance la vidéo. D'embarquer pour une opération de nettoyage de la baie de l'Aiguillon avec les huîtres sauvages qui prolifèrent, l'équilibre naturel est menacé. Conférence sur un bateau, au beau milieu de la baie de l'Aiguillon, là où les huîtres ont tout colonisé en s'accrochant sur des structures conchylicoles abandonnées au fil de l'eau. Ce qui étonne le plus les gens, ce sont les surfaces que ça concerne. C'est-à-dire que sur la baie de l'Aiguillon, on estime à 400 hectares la surface de vasière colonisée par les huîtres. Donc c'est colossal. Donc l'idée du chantier qu'on expérimente en ce moment, c'est de savoir si on est capable de restaurer un habitat de vasière pour qu'il n'y ait pas de recolonisation. Et si on retrouve une faune de la vase, la faune benthique, telle qu'elle est naturellement sur ce type de milieu. Ici, les vasières se sont transformées en véritables récifs d'huîtres sauvages. Il était temps d'agir et d'expérimenter une nouvelle machine capable de tout broyer et restaurer l'état initial des vasières. En fait, vous imaginez une grosse barge. Sur le dessus de la barge, un tracteur comme là, en fait, en l'occurrence, c'est une ensileuse qui a été incorporée sur la barge.
avec un moteur de 600 chevaux. Ensuite, il y a une transmission mécanique jusqu'au broyeur, et le broyeur est en action par rapport au moteur thermique. L'enjeu de ce colloque est d'expliquer, appliquer et mettre en relation tous les acteurs de l'environnement, y compris les professionnels de la conchyliculture. Ça a commencé en 2008 avec les mortalités des huîtres, et en 2014 avec la mortalité des moules. Là, on a été au pied du mur et on était obligé de parler de la qualité des eaux. Et donc, la réserve avec laquelle on a souvent travaillé, automatiquement, a été à l'écoute et est venue nous rejoindre, puisque notre but, c'est la qualité de l'environnement et la qualité de l'eau. Une fois ce travail colossal réalisé, des mesures doivent être effectuées sur plusieurs mois, voire des années, histoire de vérifier l'état du milieu et l'impact sur la faune et la flore des vasières de la baie de l'Aiguillon. Donc Jean-Pierre, on a présenté donc cette vidéo. Est-ce que tu peux, en quelques mots, donc ce qu'on a oublié de dire, c'est que ces travaux ont été retenus à l'époque, il y avait une illustration tout à l'heure dans le diaporama, au titre de l'appel à initiative de 2020. Donc tu as déjà maintenant un peu de recul sur la réalisation de ces travaux. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, disons, le bénéfice environnemental vis-à-vis du fonctionnement de ces vasières? Que constituent ces travaux? Quel retour d'expérience, sachant que c'était une expérimentation, donc à voir si ultérieurement c'est susceptible de faire l'objet d'une reconduite. Et puis, on voit dans le film que ces travaux ont fait l'objet de l'organisation d'un colloque là en 2021. Et je sais que au titre du live, vous êtes assez sensible localement sur ces enjeux de partage, tant avec le monde des gestionnaires qu'avec le monde scientifique. Et donc, je voulais voir un peu avec toi. Quelle est la plus-value que constituent ces questions de partage et l'organisation de ces colloques? Il y en a eu deux, trois là ces dernières années au titre du LIFE et qui ont toujours été un gros succès public. Oui, tout à fait. Merci. Alors, sur la première partie de la question, effectivement, on est la baie de l'Aiguillon fait 5000 hectares. On estime, comme c'est indiqué dans le reportage vidéo, là, à 400 hectares la surface qui est colonisée par de l'huître japonaise qui se développe en fait sur des structures de culture marine qui ont été abandonnées au fil du temps. Donc l'objet de ces travaux était de voir si de manière expérimentale on était en mesure de restaurer un habitat de vasière. Alors cette action était inscrite au plan de gestion de la réserve, mais on n'était pas capable de la mettre en œuvre parce que financièrement les budgets n'étaient pas présents et disponibles. On a eu l'opportunité de monter un programme LIFE avec le parc naturel régional du Marais Poitevin, donc en partenariat avec la LPO et l'OFB, qui a permis d'engager cette action. Donc l'objectif était de travailler sur une centaine d'hectares. Alors techniquement, ça a été abordé là. Il a fallu développer effectivement une machine. On a développé en fait plusieurs machines au cours des trois hivers sur lesquels on a travaillé pour améliorer l'efficacité. Donc là, on est dans une phase où la partie opérationnelle est terminée. Les travaux sont terminés en novembre dernier. Et là, on est sur la phase d'évaluation, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer qu'effectivement les huîtres japonaises ne recolonisent pas le milieu, parce que dans la bibliographie qu'on a pu réaliser à l'échelle européenne et même mondiale, dans de nombreux cas, les huîtres japonaises ont recolonisé les sites. Donc là, on va laisser passer quelques années. On a tout un panel de suivi que je pourrais détailler si vous souhaitez, mis en place pour s'assurer à la fois qu'on n'ait pas de recolonisation et puis à la fois qu'on retrouve bien un habitat benthique classique. Alors, ce programme LIFE a démarré en 2016 et en fait, le budget travaux avait été sous-estimé hein, par rapport à l'objectif des 100 hectares à restaurer, d'où notre réponse à l'appel à projet de l'Agence de l'eau sur la biodiversité marine qui nous a permis en fait de compléter le budget travaux, notamment pour pouvoir traiter l'ensemble de la surface prévue et surtout traiter l'ensemble des points sur lesquels on avait fait des études préalables pour être en mesure d'évaluer correctement la réussite ou non et les impacts de nos actions et travaux. Donc voilà, sans le cofinancement de l'Agence de l'eau, on n'aurait pas pu boucler ce programme de travaux et l'opération n'aurait pas pu être évaluée pleinement. Donc sur la partie LIFE, effectivement, il y a toujours une grosse partie de communication. On a souhaité nous communiquer sur cette action-là et puis sur notamment les grosses autres actions que sont l'adaptation du littoral au changement climatique, hein, notamment avec l'élévation du niveau de la mer, la gestion du trait de côte, la partie qualité d'eau. Donc on a réalisé effectivement plusieurs colloques avec le développement lors du premier colloque d'un show scientifique avec à la fois un chercheur là qui est
Éric Chaumillon de l'Université de La Rochelle, un YouTuber et puis un dessinateur. Et donc, ce show-là a été mis en place dans le cadre du live. On a fait effectivement salle comble avec 800 personnes dans l'amphithéâtre de La Rochelle le premier soir. Et c'est un spectacle qui se poursuit. Donc, il a été freiné hein, par les différentes crises sanitaires qu'on a pu traverser, mais il se poursuit. C'est un programme qui est produit un petit peu partout en France. Là, ils étaient la semaine dernière en Méditerranée pour voilà, présenter ce show-là. Donc, ça marche plutôt bien. Et puis, il y a tout un tas d'outils de communication hein, sur le site internet du Life Belle Aiguillon. Vous pourrez retrouver tout un tas de sujets et d'objets. Alors, pour nous, en termes de perspective, là, on est en phase d'évaluation du plan de gestion de la réserve de la baie d'Aiguillon. Et donc, on va se reprojeter là, cette année, pour les 10 années à venir, hein, sur la période 2023-2032. Le sujet de la qualité de l'eau, de la restauration du littoral vont être au cœur de notre futur plan de gestion. Donc là, on est en train d'élaborer notre programme d'action. Et donc, on ne manquera pas de, voilà, de revenir vers l'agence, notamment, pour voir avec elle la manière dont on pourra le mettre en œuvre. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, sauf si vous avez des questions complémentaires ou des points que vous souhaiteriez que je développe. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais on garde, c'est possible que ça vienne, on garde l'idée jusqu'à la fin. Et puis peut-être qu'on va effectivement passer au dernier témoignage et engager le débat sur les différentes questions qu'on a qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas, c'est pour ceux qui en ont, à mettre vos questions dans le fil questions-réponses qui est en bas de vos écrans. Oui, sachant que effectivement, il a fallu faire des choix. Hein. On a choisi la présentation de ce site de la baie de l'Aiguillon, qui est un des sites retenus au titre de l'appel à initiative, mais il y en avait quasiment les 26 initiatives auraient pu être valorisées ou valorisables. Et voilà, donc il fallait faire des choix, mais celui-là était un choix sur lequel on était attentif et puis on avait une vidéo. Merci Jean-Pierre de ton intervention. Donc je reprojette à présent. Alors je me trompe pas. Peut-être pendant ce temps-là, je peux inviter. Peut-être et Nicolas. Effectivement, Nicolas Guivel à mettre oui. Sa caméra. Bonjour. Et je le remercie et donc de se présenter peut-être pour engager effectivement la présentation. Oui, donc Nicolas Guével, donc responsable QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, au sein de la société portuaire Brest-Bretagne, donc qui est l'exploitant du port de Brest. Donc nouvelle société qui a été créée au 1er janvier 2021 avec trois actionnaires, la région Bretagne, la CCI MBO et la métropole de Brest. Et donc, il a repris l'activité d'exploitant portuaire qui était au préalable assurée par la CCI. Voilà, donc on est dans une continuité entre la CCI, maintenant, enfin, par le passé, et la société portuaire Brest-Bretagne dorénavant. Très bien. Donc, effectivement, je vous ai préparé une petite présentation pour illustrer en fait les accords de programmation qui ont pu être mis en œuvre par les différents, on va dire, partenaires du port de Brest avec l'agence de l'eau. Alors, Nicolas, c'est moi qui ai la main sur le diaporama, donc tu me diras quand je prends le diapo. Hein, eh ben tu peux y aller. Voilà, donc des accords de programmation, on en a déjà signé deux, donc un en 2014, un en 2017, donc qui sont des accords pluriannuels et qui ont été établis à la suite de diagnostics des flux, on va dire, de pollution sur le port de Brest pour identifier en fait les différentes origines potentielles. Et ces diagnostics ont mis en évidence que les sources a été lié, on va dire, à différents acteurs et qu'il y avait un intérêt quelque part à mobiliser ces différents acteurs pour pouvoir avoir un impact réel et sur le long terme sur la qualité de l'eau du port. D'où ces accords de programmation avec la petite illustration. Là, on voit quelques signataires. Donc, l'agence de l'eau, évidemment, la région Bretagne, la métropole, la CCI, le syndicat d'aménagement de l'Élorne, Naval Group, etc. Voilà, donc un accord qui est multi partenaire
et donc qui permettait à chacun de ses partenaires de proposer finalement un programme d'action sur plusieurs années qu'il allait mettre en œuvre, on va dire dans le cadre de sa maîtrise d'ouvrage, et bénéficiant donc d'un financement de l'agence. Donc, juste, tu peux changer de diapo. Ce que je vais vous proposer, c'est simplement une illustration. Chaque maître d'ouvrage a son propre plan d'action. Au niveau de la CCI et maintenant SPBB, on avait notre propre plan d'action et au sein de ce plan d'action, j'ai fait un focus sur ce qui a été mis en œuvre sur le terminal multivrac du port de Brest. Donc, pour bien comprendre, le terminal multivrac, en fait, c'est un espace sur lequel on réceptionne les matières premières agricoles qui vont servir, en fait, à la fabrication d'aliments du bétail. Et sur ce terminal, en fait, on dispose de quais, le quai, enfin, qu'on appelle quai 6e sud et quai 6e est. Donc, c'est l'illustration que vous voyez là. Donc, le quai 6e sud est plutôt orienté vers les navires gros porteurs, jusqu'à 50, 60 000 tonnes de marchandises, et le quai 6e est plutôt orienté sur les caboteurs, avec des tonnages de l'ordre de 3 000 à, on va dire, à 10 000 tonnes de marchandises. Enfin, voilà, juste pour le contexte. Les actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre de cet accord de programmation concernent, en fait, la gestion des eaux pluviales sur les deux quais 6e sud, 6e est. Donc, Régis, tu peux changer de diapo si tu veux. Voilà, donc d'abord peut-être juste pour illustrer quand même l'impact de cet accord de programmation et puis de la participation de l'agence à ces actions. Donc j'ai regroupé les actions en deux grandes familles. La première famille, c'est des travaux de refonte du terre-plein et voirie sur le quai 6e Est. Donc ces travaux-là ont permis, en fait, de créer de reprendre, en fait, les surfaçages des terre-pleins et de créer des réseaux pour collecter les eaux pluviales, parce que par le passé, l'ensemble des eaux pluviales, en fait, partait directement à la mer par des évents. Il n'y avait pas de collecte centralisée des eaux. Donc, pour pouvoir intervenir sur les eaux pluviales, il a d'abord fallu les collecter. Donc, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, donc, ça a été la mise en place de dispositifs de traitement, donc sur le quai 6e Est et sur le quai 6e Sud. Donc, on voit avec un apport financier significatif de l'Agence de l'eau, donc avec des taux de financement à 40%. Et je vous ai mis aussi l'année de paiement des subventions. Ça, c'est pour illustrer le fait que c'est des actions qui ont été menées sur un temps relativement long, parce qu'il y a eu des phases d'études, de travaux, et puis plusieurs types de travaux qui se sont enchaînés dans le temps. Donc, c'est aussi l'intérêt, en fait, d'un accord de programmation, c'est de permettre de développer des projets avec une vision un petit peu, on va dire, moyen, long terme, avec une succession, on va dire, d'étapes. On n'est pas sur une opération ponctuelle, on est vraiment sur l'idée de progresser dans le temps. Régis, tu peux passer si tu viens. Voilà, là c'est simplement pour illustrer. Alors c'est pas, je vous ai mis deux photos, alors c'est pas forcément très très explicite, mais voilà, là c'est le quai 6e est. Alors il y a avant après, pas évident de voir la différence finalement, mais enfin, l'idée en tout cas, ça a été de resurfacer le quai et de créer des caniveaux pour permettre la collecte des eaux pluviales. Et on le verra peut-être mieux finalement sur la diapo suivante. Donc Régis, si tu peux passer. Okay. Voilà. Donc là, on est sur le quai 6e est. Donc on voit le quai avait été divisé en trois espaces. Donc resurfaçage des terre-pleins et récupération des eaux dans un caniveau là qui est schématisé en rouge, et avec renvoi des eaux collectées vers un point central sur lequel a été installé un système de traitement. Donc c'est ce qu'on voit sur la photo. Donc c'est un système de tamis rotatif qui permet, en fait, de récupérer les matières emportées par les eaux pluviales. Donc les matières, en fait, qui sont donc lorsqu'on décharge un navire, là, il peut y avoir des produits qui s'échappent des bennes
donc qui permettent d'aller piocher le produit dans les cales du navire et de les déposer dans des trémies. Donc les trémies, c'est des grands entonnoirs qui permettent de les renvoyer ensuite par tapis vers les installations de stockage. Donc dans cette phase-là, il peut y avoir de la perte de produits au sol, et donc l'intérêt de ce système de tamis, c'est de récupérer ces matières. Et donc, si on passe à la diapo suivante, on voit l'équivalent. Donc là, sur le quai 6e sud, il y avait aussi un travail qui avait été fait sur la reprise des caniveaux de collecte et la mise en place de ces mêmes tamis rotatifs. Alors, le quai étant d'une surface plus importante, il a fallu installer deux tamis en parallèle. Donc, on peut voir là sur la photo. Et donc, on devine en arrière-plan, justement, une trémie, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc ces grands entonnoirs qui permettent de recevoir les produits déchargés des navires pour ensuite les faire passer sur des tapis et les envoyer vers les installations de stockage. Voilà, il me semble que c'était la dernière diapo. Donc, je suis à disposition pour répondre à vos questions. Merci, Nicolas. Pour l'instant, il y en a pas, mais ça va peut-être venir. Donc, on garde tout ça en ligne. En tout cas, merci pour cette présentation. Je trouve que c'était très clair et illustrant de ce qui peut être fait sur un port de cette taille. Alors, comme le disait Régis, on a effectivement fait des choix dans ces présentations. Et donc, il y a bien sûr aussi des choses qui se font avec les ports de plaisance à d'autres tailles. Il y a également peut-être des choses qui ont moins été illustrées au cours de toutes nos présentations, qui sont directement en lien avec les industriels, sur lesquels on peut aussi avoir des aides. Et peut-être redire également, mais on va y venir avec quelques questions qui sont dans le question-réponse, redire que l'ensemble du bassin versant a finalement abouti aux eaux littorales et marines. Donc finalement, l'ensemble du bassin versant peut être contributeur. On a bien un lien terre-mer qui est fort et donc qui implique une mobilisation de l'ensemble des acteurs sur certains sujets. Alors, dans les questions-réponses, on en avait une qui concernait la façon dont on peut travailler avec les installations classées pour la protection de l'environnement, hein, plus classiquement appelées les ICPE. Donc, c'est ce que je mettrais aussi sous le terme un peu industriel. Donc, effectivement, on a un travail avec les services de l'État, l'industriel et le collègue de l'agence qui suit chacun des dossiers des industriels dans ces cas-là. Et les rejets sont calculés par l'État, hein, les normes de rejets en fonction d'un certain nombre de grilles à la fois des questions, je dirais, de toxicologie et d'éco-toxicologie, c'est-à-dire de capacité du milieu à recevoir ou pas des niveaux de pollution. Donc c'est vraiment les services de l'État qui le font, mais en lien avec ce travail d'autorisation, on peut avoir un accompagnement des industriels, donc des ICPE, pour effectivement venir réduire leurs rejets s'il y a lieu et les accompagner à la fois techniquement sur les choix qui peuvent être faits et ou à travers des études préalables aux choix, puis dans la mise en œuvre de ces solutions et donc dans la partie travaux. Ça, c'était pour répondre à une des questions. Peut-être je vais laisser Régis répondre à une autre des questions qui était celle que j'avais évoquée tout à l'heure sur les profils de baignade. Oui, donc il y avait donc une question de Claire Janin là, de l'ARS Centre Val-de-Loire concernant, je la regarde sur le deuxième écran. Les profils de baignade pour les nouveaux sites, donc non classés, ne peuvent donc pas bénéficier d'aide de l'agence, point d'interrogation. Alors, en fait, il y a eu une toute petite évolution dans le 11e programme révisé sur ce point-là. Les profils de baignade peuvent faire l'objet d'un financement ou d'un cofinancement de l'agence de l'eau au titre de leur révision à partir du moment où ils sont identifiés dans les sites dits prioritaires eu égard à leur qualité. Pour les sites nouveaux, sur le fond, qui font donc les sites de baignade nouveaux qui font l'objet d'une ouverture, on n'a pas d'a priori sur la qualité du site. Donc, il n'y a pas de raison particulière d'aller financer ces nouveaux profils de baignade. Maintenant, si effectivement leur qualité venait à être fortement dégradée, la question pourrait potentiellement se poser. Mais sur les nouveaux sites qui font l'objet d'une ouverture, en plus, si l'ouverture est prévue par la collectivité, il y a fort à espérer que quand même la qualité soit bonne, il n'y a pas de raison que l'agence aille financer ces profils. Voilà. Merci Régis. Alors, une autre question concernait la suppression. Ou en tout cas, j'élargirai un peu la question en la posant sous cette forme. Il y a la question des microplastiques. Vous avez vu qu'on l'avait abordé, en tout cas qu'on avait l'intention de l'aborder à travers un appel à initiative qu'on devrait lancer prochainement.
Mais il y a également la question des microplastiques et de leur présence alors dans les eaux continentales, puis effectivement en mer. Et la question était plus précise en disant, y a-t-il une possibilité de dégrillage fin? Je pense que la question se pose peut-être pas tout à fait en ces termes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un apport finalement de plastique en mer qui est lié à la dégradation des macroplastiques et à des apports par les différentes eaux de traitement. Donc, il y a plusieurs, dispositifs qui permettent d'essayer de d'abord diminuer les plastiques à la source. Je pense que c'est comme pour d'autres sujets, la première chose, c'est celle-là, c'est d'essayer de diminuer à la source. Puis la deuxième, c'est de diminuer les transferts. Et à la toute fin, on pourrait se poser la question du curatif, c'est-à-dire de traiter ce qui est déjà dans les milieux. Aujourd'hui, on est plutôt dans encore affiner la connaissance et travailler sur les deux premiers points, c'est-à-dire à la fois réduire les transferts et plus globalement réduire à la source la pollution. Voire de trouver des solutions de substitution à l'utilisation du plastique. Les collègues du ministère qui sont porteurs de cette feuille de route zéro déchet plastique sont aussi les mêmes acteurs qui travaillent sur l'évolution de la réglementation au bénéfice de la substitution de l'usage du plastique sur certains usages classiques. Et donc voilà, ça va de pair. Hein ? Tout à fait. Alors, question sur les assainissements individuels. J'essaie de retraduire la question en comprenant que vous visez l'assainissement non collectif et donc les questions de branchement d'assainissement individuel. Là aujourd'hui, l'agence a maintenu un financement possible pour ces situations-là dans la mesure où il y aurait un impact sur le milieu. Donc c'est effectivement, ça peut être le cas sur le milieu littoral. Et dans ce cas-là, on revient à ce qui était présenté tout à l'heure par Régis, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un diagnostic fin local qui permet de montrer où sont les sources de contamination vis-à-vis du milieu par rapport à un usage sensible. On l'évoquait tout à l'heure à la fois la conchyliculture, la baignade ou la pêche à pied ou professionnelle. Et dans le cas où l'assainissement non collectif serait en cause vis-à-vis des contaminations observées dans le cadre de ces profils, on pourrait avoir avec la collectivité ou la structure compétente en termes d'assainissement non collectif, un accompagnement qui peut se traduire par des appuis auprès des particuliers. Voilà, ça reste effectivement un sujet sur le littoral. Voilà, je ne sais pas si Régis, vous voulez compléter sur cette partie. Non, c'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Je ne crois pas, en tout cas. J'ai évoqué le fait que grâce au profil, les aides en matière d'amélioration de l'assainissement, là pour le coup collectif, c'est-à-dire l'amélioration du fonctionnement des systèmes d'assainissement, tant en matière de traitement que de collecte, pouvaient faire l'objet d'une bonification. Je n'ai pas, je crois, trop parlé de l'ANC, mais je vais ne faire que répéter ce que tu as dit, à savoir que au titre de l'ANC, là on est sur le stade de l'éligibilité. C'est-à-dire que si l'ANC, si une action en matière de réhabilitation d'une ANC émerge via la production du profil de baignade ou du profil de vulnérabilité, cette action menée contribue à la reconquête de la qualité du site, à ce moment-là, elle peut faire effectivement l'objet d'une aide de l'agence en matière de réhabilitation à un taux d'accompagnement à 30%, tant au titre des études que des travaux. Je ne crois pas qu'il y a d'autres questions. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez d'ultimes questions sur les aides finalement et l'accompagnement qui peut être fait vis-à-vis des eaux littorales et plus largement de l'ensemble des territoires côtiers et notamment par l'agence? Sinon, on pourra s'arrêter un petit peu en avance. On a déjà une bonne heure et quart sur ces sujets, donc on peut aussi s'en tenir là, sachant qu'il y a à la fois des documents qui sont disponibles. Ça a été mis dans le chat, vous l'avez vu tout au début par un collègue. Les documents sont disponibles en ligne sur les fiches interventions de manière plus précise. Et puis, comme l'indiquait tout à l'heure Régis, il y a effectivement l'ensemble des collègues des délégations qui sont là aussi pour travailler avec vous les dossiers à la fois individuels, collectifs ou territoriaux. Il y a accord de programmation.
Alors, une question pendant que je vous disais ça. Qu'en est-il des rejets des déversoirs d'orage bipassés des steppes? Alors, en fait, la question des... J'élargirai là aussi peut-être la question. En fait, on a plutôt des systèmes d'assainissement aujourd'hui sur lesquels on s'était peut-être collectivement attaché beaucoup au départ à travailler la station en tant que telle. On voit de plus en plus que l'ensemble des réseaux est à bien surveiller. Je pense que les collectivités en ont pris la mesure, particulièrement celles sur le littoral, puisqu'elles savent peut-être que Maud pourra compléter mon propos, d'ailleurs en illustrant sur ce qui se fait sur Cap Atlantique, mais pour bien voir que l'ensemble des réseaux peuvent être impactants sur la qualité des rejets et sur les différents usages. Et donc, travaille de plus en plus ces questions-là en regardant notamment les eaux parasites, c'est-à-dire à la fois les entrées d'eau dans le réseau en période de temps de pluie et en période de, on dirait en relèvement de nappe, c'est-à-dire de défaut des réseaux, ce qui suppose un travail de surveillance accrue des réseaux, de fois de métrologie particulière, vraisemblablement de contrôle des branchements dans un certain nombre de cas. J'élargis hein, bien au-delà des déversoirs d'orage avec mon propos. Mais tout ça fait l'objet d'un certain nombre de travaux des collectivités qui sont effectivement soutenus par l'Agence de l'eau dès lors qu'on a un impact sur le milieu. Donc, j'en reviens à ce qu'on se disait, hein, c'est d'avoir un diagnostic fin de la situation, donc soit schéma directeur de l'ensemble du système d'assainissement, soit profil, et derrière, on regarde les différents leviers et la collectivité, avec l'accompagnement de l'agence notamment, peut mettre en œuvre progressivement l'ensemble des solutions de réponse. Peut-être, Maud Danet, si c'est possible de compléter peut-être mon propos avec un exemple plus précis sur la collectivité de Cap Atlantique. Alors oui, sur ce sujet, alors nous on est en réseau séparatif. Alors on a des bassins quand même de rétention des eaux pluviales qui peuvent déverser. J'en reparlerai après. La question, c'est aussi les points de déversement des stations d'épuration en amont. Je vois aussi Rémi Lebesque, qui est notre partenaire à l'Agence de l'eau, qui suit nos actions. Effectivement, dans l'accord de programmation que l'on a construit avec l'Agence de l'eau, on a veillé à déplacer en fait un point de déversement, de rejet en amont des stations d'épuration pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les milieux. Donc ça a été c'est soutenu et financé par l'Agence de l'eau. Et sinon, il y a quand même un point où on a des bassins de rétention d'eau pluviale qui sont dits parfois bassins d'orage, mais ce n'est pas lié à un réseau unitaire, mais que à des eaux pluviales, qui peuvent quand même collecter des eaux de voirie, des eaux sur lesquelles on a finalement des pollutions microbiologiques que l'on peut collecter. Et on avait expliqué notamment à notre partenaire Rémi Lebesque que en fait on avait constaté que ça pouvait faire nid à bactéries. Donc on a travaillé pour mieux comprendre en fait le développement de bactéries dans ces bassins d'orage, d'eau pluviale, et on est en train de rechercher par une étude des solutions pour que ça ne se fasse pas un nid à bactéries et tout d'un coup un déversement massif d'eau pluviale contaminée. Voilà. Donc dans les deux actions qui sont soutenues par l'Agence de l'eau à ce sujet. Merci pour ce complément précis et du coup territorialisé, ce qui permet de bien voir. Dans les éléments de chat, hein, les collègues vous ont aussi mis des liens sur le plan d'action zéro déchet en mer porté par le ministère dans lequel on est partie prenante pour certaines actions, pour compléter les propos que j'ai pu avoir sur la question des plastiques. Je vois qu'a priori, il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, je vais vous proposer que si on en est tous d'accord et s'il n'arrive rien d'autre, eh bien, je profite pour remercier encore une fois vraiment les trois intervenants qui sont aussi nos partenaires pour les illustrations qu'ils ont pu apporter aujourd'hui et les propos très clairs et complémentaires d'une version plus large qu'on a pu avoir avec Régis sur l'ensemble des solutions apportées par l'Agence de l'eau auprès des différents maîtres d'ouvrage sur les territoires sur les questions d'amélioration de la restauration de la qualité de l'eau et en particulier sur le littoral. Donc, merci à vous trois
Et puis, merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire qui sera, je crois, à nouveau disponible sur les outils de communication de l'agence à l'avenir. Et je repasse la parole aux collègues du siège s'ils veulent compléter pour peut-être présenter les prochains qui ont lieu dans les prochains jours. En tout cas, merci à vous pour votre écoute et vos questions. Merci Morgane, merci Régis et merci à toute l'équipe de Nantes qui a mené ce webinaire de main de maître. Et je voulais juste vous rappeler avant qu'on se quitte que les webinaires continuent, les webconférences toute la semaine. Le lien que vous avez reçu est valable pour toutes les sessions, donc n'hésitez pas à vous contacter. Je vous rappelle également que nous allons vous envoyer par mail un questionnaire de satisfaction. C'est important d'avoir votre retour sur notre action de communication sur ce 11e programme. Donc, merci de prendre un petit moment pour compléter, début de semaine prochaine, ce questionnaire de satisfaction. Il me reste à vous souhaiter un très bon appétit et à vous dire à très bientôt. Merci aux intervenants, merci aux collègues de Nantes et à très bientôt. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.